On va terminer avec Manchester United et la piste de la succession, au moins pour le joueur de Ole Gunnar Solskjaer. Est-ce que pour toi, Julien, Laurent Blanc est une piste crédible? Je sais pas s'il est encore à fond là-dedans, lui. Mais, absolument, oui. Mais arrêtez avec Blanc à chaque fois qu'il y a un poste quelque part. Si, c'est toi aussi. À chaque fois. C'est un peu toi le problème. Voilà. À chaque fois qu'il y a un poste quelque part, on nous dit, ah, il y a Laurent Blanc, non, il y a Laurent Blanc. Ça fait combien d'années que Laurent Blanc s'y a joué? Ça fait combien d'années que Laurent Blanc n'a pas entraîné un vrai club? Donc c'est fini. Non, mais je te pose la question. Combien d'années? Il y a 6 ans? 5, 7 ans? Comment ça, ça veut rien dire? Il a jamais retrouvé un club. C'est bien qu'il y a une raison. Soit il veut pas, soit les gens ne veulent pas de lui parce qu'il vient avec. Pourquoi il est Qatar aujourd'hui? Mais excuse-moi, depuis le temps, il n'a pas pu retrouver un club normal. Bah, il cherche pas un club normal, justement. Tu rigoles ou quoi? Alors, je sais pas. Après, non, attention, y croire et penser que c'est bien, c'est différent. Ils ont pris Ole Gunnar Solskjaer qui avait un palmarès de merde quand il traînait un club en bois, alors que Laurent Blanc, tu vois, donc juste parce que c'était un ancien du club. Donc, tout est possible. Et c'est aussi un ancien du club. C'est un ancien du club. Et pas seulement. Non, mais pas seulement. C'était vraiment le chouchou de Ferguson. Il y avait vraiment, il a toujours dit qu'il croyait beaucoup en lui en tant qu'entraîneur. On sait que Ferguson, quand il dit un truc, quand même, sinon Solskjaer, il aurait tenu 3 jours. Tu vois, donc, à chaque fois, c'est Ferguson qui le faisait. Est-ce que ça a duré trop longtemps, d'ailleurs, cette, Mais moi, je l'aurais viré, au bout de, moi, je pense que le trompe-l'œil, c'est le match au parc. C'est pas du tout un coup tactique. C'est une ramassade du PSG. Et les mecs ont cru que c'était un coup de génie. Moi, déjà, à l'époque, je trouvais que c'était une pipe. Attends, il aurait dû virer depuis longtemps. Ah, t'es dur, franchement. Au parc, je trouve que franchement, il nous met à l'amende, mais avec une équipe, mais 10 fois moins forte. Mais c'est pas lui. Et derrière, il fait 2 finales du FA d'Europa League. Ah, c'est pas 0-0 non plus. Attends, est-ce que tu te rends compte? Oui. On parle du club le plus riche du monde, qui met des millions, des centaines de millions d'euros dans les recrutements. On oublie, on parle du PSG, mais les mecs, ils sont allés chercher Varane, Ronaldo, ils sont chauds. Cavani, c'est un mec qui est là, il distribue les cartes, tu vois, au poker. Sancho surtout, là, c'est vrai que Sancho. Ils ont toujours oublié. Le mec, de temps en temps, il est dans les 4 premiers, et de temps en temps, il va en finale d'Europa League. Il devrait même pas y être en Europa League, si tu veux, en fait. Donc, nous, on n'y est jamais en finale d'Europa League. Parce qu'on n'y va pas, en fait, tout simplement. Et c'est dommage, on pourrait la gagner. Et Liverpool ne va pas non plus en finale d'Europa League. Et le Bayern non plus, parce qu'ils n'y vont pas. Voilà, c'est simplement, c'est la bonne raison. Voilà, on va pas en Conference League non plus. Et bien, on suivra ça. Et on parle aussi de Michael Carrick, en tout cas pour les prochains jours à Manchester United, pour assurer l'intérim. Merci beaucoup, Julien Cazard, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je rappelle de votre livre très drôle, mais c'est pas possible. PSG, le meilleur du. C'est vrai, le meilleur du pur. Il y a un truc, il y a une distance qui s'est créée. Je l'ai senti. Merci à toi, Julien. C'est publié aux éditions Infora. Merci, Benjamin. Merci. Merci, Alexis. Tout de suite, et vous pouvez retrouver d'avoir cette émission en podcast sur radioj.fr et sur la page YouTube de la radio. Tout de suite, la soirée continue avec quelqu'un qui t'aime beaucoup, Julien Avner Azoulay, pour le Festival Oriental. Tu connais le Festival Oriental? Alors, très mal, mais j'ai hâte de connaître. C'est l'occasion. À très bientôt. Super, avec plaisir.